Yo la famille! Bienvenue et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va nickel. Donc ne faites pas attention à ma voix. Hein. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais voilà, ma voix n'est pas très. Voilà quoi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo que je voulais faire depuis. Depuis début 2022. Et c'est une vidéo de résolution. Je voulais partager avec vous mes résolutions de 2022. Pourquoi pas la regarder dans un an pour voir est-ce que j'ai réussi à respecter mes résolutions. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs que je voulais atteindre en 2022. Voilà. Et je voulais la partager avec vous. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, il va falloir que je termine vite la vidéo, que je fasse le montage, que je puisse vous la poster à 17h. On peut pas filmer dans cette maison là? Bon, que je termine la vidéo, que je puisse la monter, la poster à 17h parce qu'après j'ai un shooting photo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour les photos. Je suis très. Ces temps-ci, j'aime bien le délire d'être prise en photo. Avant, j'aimais pas. Avant, c'est pas que j'aimais pas, mais je trouvais pas que j'avais un bon profil ou un bon visage pour les photos, etc. Mais maintenant, j'aime bien, j'adore faire des photos, avoir de nouveaux looks, de nouveaux lieux. Yes, j'aime bien ce style Instagrammeur. Donc, je fais vite parce que je dois faire des photos, je dois faire de nouveaux TikTok pour TikTok. Tout ça, donc on va accélérer. Donc pour cette vidéo, j'ai pris un petit cahier que je pourrais utiliser pour écrire mes résolutions. On va changer un peu de tous ces trucs technologiques, téléphone, tablette. Donc je vais écrire sur du papier avec un stylo mes résolutions. Donc actuellement on est le 9 janvier, il fait actuellement 12h. La vidéo va sortir dans quelques heures. Je vais faire le montage vite fait parce que j'avais pas le temps de la faire durant la semaine. Donc je fais la vidéo là et je vais vous la poster à 17h. Travail de pro genre. Et depuis un moment, je voulais faire la vidéo de résolution. Je crois que cette vidéo va un peu vous rapprocher de moi. Vous allez un peu plus me connaître, savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc on va commencer. Je vais mettre des petits traits. Déjà disons 5 résolutions genre, faut pas exagérer. 5 résolutions et on va voir si on va les respecter dans un an. Dans un an, je vais re-regarder cette vidéo pour voir si j'y suis arrivé. Donc, comme première résolution, déjà, c'est par rapport à mes réseaux, surtout par rapport à YouTube. J'aimerais bien trouver une identité qui est à moi, un petit projet qui me fera connaître, un truc dont, dès que les gens pensent à ça, ils penseront à moi directement. Trouver ma marque quoi. Et depuis un moment, je pensais à créer un concept. Bon, pas créer, parce que ça existe déjà. Mais pas sur YouTube, tu vois. Je vois souvent les Américains avoir des plateaux où ils invitent des stars qui viennent parler de leur vie, de leur carrière, comment ils sont arrivés jusqu'à là. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas, genre, créer une genre de petite émission avec quelques épisodes de personnes connues ici au Sénégal, dans différentes catégories, telles que les TikTokers, les YouTubers, les danseurs, les chanteurs, les acteurs. Et je pourrais, genre, prendre une fille, un garçon dans chaque catégorie, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un truc qui vous intéresserait. Donnez-moi vos avis. Pourquoi pas me donner les noms des personnes que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Ici au Sénégal, des personnes que je pourrais atteindre pour faire la vidéo. Donc, comme première résolution, je mettrai trouver un projet pour YouTube, genre. Et pas forcément pour YouTube, parce que je peux aussi trouver un truc pour TikTok, trouver un style propre qui est à moi pour apporter ça à TikTok. Mais bon, j'y réfléchirai. Donc, disons réseau, trouver des projets pour mes réseaux. Pour plus les embellir quoi, pour plus me représenter. Deuxième quoi. Résolution, j'aimerais renouer les liens avec mes amis, me faire de nouvelles rencontres quoi, parce que vous pouvez avoir l'impression que j'ai énormément d'amis,
que vraiment je vis ma best life. Comme vous voyez, tous les influenceurs sur les réseaux en soi. Ok, je connais beaucoup de personnes, mais j'ai pas de fort lien avec tous, tu vois. Les gens avec qui j'ai plus de liens, vous les voyez souvent sur mes vidéos YouTube, sont les Alia, les Dédé, les Penda, etc. Ce sont les personnes avec qui je suis le plus. Mais j'aimerais trouver des personnes avec qui avoir... Bon, des nouvelles rencontres, quoi. Moi, j'aime bien rencontrer du monde, j'aime bien avoir de nouveaux amis. Comme j'aime bien sortir, le fait de sortir, ça te fait rencontrer de nouvelles personnes. Donc, comme deuxième résolution, je dirais... plus m'ouvrir au monde et rencontrer de nouvelles personnes, quoi. Me faire un nouveau carnet d'adresses et pas forcément juste des personnes connues ou des personnes de ce genre, juste des personnes avec qui j'aurais un bon délire, quoi. Vous voyez de quoi je veux parler. Comme troisième résolution, c'est par rapport aux relations amoureuses. Il faut que je trouve ma moitié. Parce que je le dis pas assez, mais moi, je suis un big, big, big lover. J'aimerais être en couple, avoir ma moitié, être là tout le temps en message, en appel. Baby, baby, yeah, yeah. S'organiser des sorties, aller manger, aller prendre un petit déjeuner, des brunchs. Vivre cette vie de couple, quoi. Ça fait un moment que j'ai pas été en couple. Ma dernière relation, vous avez été tous témoins parce que je parlais de ça souvent, même si vous l'avez jamais vu. Je vous parlais souvent de la personne, je vous mettais les initiales sur mes différents réseaux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Snap, TikTok, Instagram. Je suis très actif sur ces différents réseaux et vous pouvez plus me connaître là-bas. Genre, même si je poste pratiquement sur YouTube toutes les semaines, je suis beaucoup plus actif sur les autres réseaux. Donc, comme troisième résolution, j'aimerais trouver ma moitié, une personne avec qui je m'identifierais bien, une personne avec les mêmes objectifs, non pas forcément les mêmes objectifs, qui est aussi, c'est quoi le mot, qui est aussi ambitieux que moi, parce que moi je suis très ambitieux et j'ai des objectifs dans la vie. Donc j'aimerais trouver une personne qui est aussi ambitieuse que moi, une personne avec qui je collerais beaucoup, avec qui on a beaucoup de points en commun, qui aimerait la vie comme moi, qui aimerait voyager, qui aimerait sortir. Yeah, cette life, quoi. Donc en troisième résolution, je dirais trouver ma moitié, trouver cette personne, quoi. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages sur mes différents réseaux sociaux si vous êtes intéressé. Même si je sais que je suis bon. Que je plais pas à tout le monde, mais voilà quoi, vous pouvez essayer, peut-être que tu es là, je suis là, là on est en train de se regarder dans les yeux, mais voilà, tu sais pas encore qu'on sera ensemble, mais t'inquiète, tu m'envoies un message, je verrai ce message et on parlera. Comme quatrième résolution, c'est par rapport aux langues. Il faut vraiment que je me débrouille en langue, que ça soit en anglais, en espagnol, en allemand. J'aimerais bien comprendre d'autres langues à part celles que je parle, le français, le wolof. On peut dire que ce sont mes langues maternelles, les langues que je parle depuis que je suis enfant. Mais en plus de cela, j'aimerais bien comprendre des langues extérieures comme l'anglais par exemple. L'anglais, je peux dire que je comprends l'anglais parce que j'apprends l'anglais depuis quoi? Le C1, j'ai certaines notions en anglais. Quand une personne vient me parler, je peux savoir ce que la personne dit. Je peux essayer de la répondre. Même si ma réponse ne sera pas hyper, hyper, hyper claire, mais je pourrais essayer, tu vois. J'aimerais bien être plus fort en anglais. Pourquoi pas essayer aussi l'espagnol, parce que j'apprends l'espagnol depuis la quatrième. Ça va bientôt faire quoi, 5 ans. J'ai aussi des notions en espagnol. Je connais l'alphabet, je connais les chiffres, je connais comment on prononce les mots, je connais un peu l'accent. Yeah. J'aimerais bien me débrouiller en ces langues-là. Et aussi, pourquoi pas toucher à l'allemand. Ces langues-là, internationales, tu vois. Parce que comme moi, j'aime bien les relations internationales. Je suis sur les réseaux surtout pour ça, la communication. Et j'aimerais bien avoir des abonnés dans le monde entier, tu vois. Par exemple, sur TikTok, j'ai des abonnés dans le monde entier, mais j'aimerais bien avoir ces nouvelles communautés sur YouTube. Tu vois, quoi. Donc, en quatrième résolution, je mettrais me débrouiller en langue comme en anglais, allemand, espagnol, quoi. J'aimerais bien avoir une autre langue que le français, une autre langue que je pourrais utiliser pour m'exprimer. De temps en temps, vous me voyez dans mes vidéos, j'étais des petits mots en anglais comme des piliers, tout ça. Mais c'est rien. C'est juste des expressions que tout le monde dit, qu'on prend de temps en temps dans les nouvelles trends des influenceurs, des stars. Mais
mon anglais est bancal. Je me débrouille, mais c'est hyper bancal. Faut voir mes notes que j'ai à l'école en anglais, mais c'est wow. C'est wow. Comme cinquième résolution, j'ai honte de le dire, mais j'aimerais me mettre au sport. Parce que vous pouvez me voir dehors, j'ai un peu l'air d'enfer, je suis un peu costaud, tout ça, mais faites pas attention, hein, je fais archi pas de sport. Je peux dire que le seul sport que je pratique, c'est le sport à l'école. C'est tout. Je cours pas, je pars pas à la salle. La seule chose que je fais, c'est que je marche beaucoup. Je marche énormément. Et j'aimerais bien, genre, avoir un petit rythme sportif, aller à la salle, courir un peu, même si je pense pas avoir le cardio pour ça. Mais pourquoi pas essayer, vu que je l'ai jamais fait. Je sais pas, le sport, quoi. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et I don't know. Mais j'aimerais bien essayer ça en 2022, un peu faire du sport, et on verra dans un an si j'ai respecté cela. Faire du sport. Pourquoi pas aussi en faire à la maison, faire des pompes, faire des tractions. C'est tout, faire ce genre du sport, quoi. Par exemple, mettre des trucs à la télé, suivre ça, faire du yoga. Des activités qui changent un peu, quoi. Sortir un peu des réseaux. Tu vois, quoi. Les seuls sports que je fais, on peut dire aussi que c'est TikTok parce que je danse, je transpire. Certains TikTok sont hyper, hyper fatigants, hyper énervants. À part ça, le sport à l'école. À part ça, je marche beaucoup. Mais je fais pas du sport en tant que tel, quoi. Je veux aller à la salle, je veux courir. Voilà, quoi. Vous avez capté dans quel délire je veux parler de sport, quoi. Dites-moi en commentaire aussi, vous pratiquez quoi comme sport? Vous me conseillez de faire quoi comme sport? Bon, là, je sais que ça fait déjà 5, mais je vais acheter une autre résolution. La résolution, là, j'aimerais apprendre à cuisiner parce que faut pas me voir comme ça. Hein. Je sais archi rien faire. Si c'est pas des œufs, frire des frites, c'est tout. Hein. Je sais rien faire d'autre et j'aimerais bien apprendre des plats. Une petite passion de cuisine, quoi, parce que déjà que moi qui vais aller vivre à l'extérieur, ça sera pas toujours évident, hein, parce que vivre seul, ne pas savoir cuisiner, c'est un peu exagéré de tout le temps commander, quoi, parce que j'avais même fait un TikTok, je sais pas si je vais le retrouver, parce que après je l'ai supprimé, un TikTok des différents restos dans lesquels je suis parti, où je montrais les plats, quoi. C'est pas tous les restos que j'ai fait en 2021, mais c'est genre les snaps que j'ai retrouvés, quoi. Et c'était juste pour vous montrer à quel point je mange beaucoup dehors. Et j'aimerais bien apprendre à faire des plats. Pourquoi pas apprendre à faire le chip, apprendre à faire une bonne salade. Apprendre à faire des plats qui pourront... des plats consistants qui pourront remplir mon ventre et éviter de tout le temps dépenser mon argent dehors à me prendre des KFC, des trucs comme ça, des tacos. Changer un peu, quoi. C'est ça. Donc, en sixième résolution, j'aimerais bien apprendre à cuisiner. On me le dit beaucoup, hein. Ma soeur, ma mère, mes tantes. On me dit souvent que toi, tu aimerais aller à l'extérieur et tu sais rien faire, tu sais pas préparer, etc. Donc, j'aimerais bien apprendre à préparer. Mais par contre, je fais très bien le ménage. Même si c'est pas un truc que je fais tout le temps, c'est pas un truc que j'aime surtout faire, mais je le fais bien. Quand je m'y mets, je fais très bien le ménage. Je peux faire toute pièce de maison, les toilettes, le salon, la chambre, la cuisine, la vaisselle, tout ça, je sais très bien faire. Donc, moi, ce que j'aimerais apprendre à faire en 2022, c'est cuisiner. N'importe quel plat, que ce soit des plats africains, des plats européens, des plats américains, I don't know. Faire comme ma soeur, quoi, parce que ma soeur, elle sait faire des poulets KFC, elle sait faire plein de choses, parce qu'elle, elle aime bien rechercher. Elle est souvent sur des trucs de recettes, elle teste le truc, elle prépare, elle me fait goûter. La majeure partie, même ma dire majeure partie, c'est peu. Tout le temps, c'est tout le temps bon. Peut-être c'est parce que je sais pas préparer que j'aime tout, mais voilà quoi. Moi, je suis pas très difficile à... dans ce qui est de manger. Donc, en sixième résolution, j'aimerais apprendre à préparer des plats. Et ça va me faire rire d'arriver en 2023, Inch'Allah. Et d'avoir respecté aucune de ces résolutions, ça serait hyper bête, hyper hyper bête. À part ces résolutions, j'en ai d'autres bien sûr. J'aimerais changer de téléphone, j'aimerais comment dit-on encore, trouver du matériel complet pour mes vidéos, parce que là, ok, j'ai une ring light, j'ai une caméra, tout ça, mais j'aimerais
un matériel plus pro, trouver une salle spéciale où je pourrais faire mes vidéos. I don't know. Ce sont des choses auxquelles je pense, mais je pense que ces résolutions sont bonnes et assez suffisantes. Ce sont les trucs, je pense, les plus importantes de 2022 que j'aimerais bien respecter. J'aimerais aussi lire, quoi. Je sais pas, moi je lis pas. À part lire les interviews, les trucs intéressants, croustillants sur les stars, moi je lis pas, hein. Les livres, les œuvres, tout ça, c'est pas des trucs que je fais de base. Mais pourquoi pas m'y mettre en 2022, essayer de renforcer ma culture, sortir un peu de ma zone de confort, déposer un peu mon téléphone pour. Voilà, je sais pas si vous avez capté le délire. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Bon, la vidéo, elle n'est pas si longue, 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 parce que c'était une petite vidéo que je voulais partager avec vous. Et ça change aussi un peu de tout ce que je vous propose de base, les challenges, les vidéos avec les potes. Et ça nous permet aussi un peu d'échanger, de nous connaître mieux. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, vous, de votre côté, quelles sont vos résolutions, qu'est-ce que vous aimeriez faire en 2022, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de vidéo, quel genre de contenu, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, ou les mini-vidéos IGTV que je faisais sur Instagram. J'ai plus trop de ce truc-là qui me permet d'en faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir sur mes réseaux. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant à chaque nouvelle vidéo. Commentez surtout parce que ça aide beaucoup pour l'algorithme des vidéos. Voilà quoi. J'aime bien interagir avec vous, nous, moi et vous. Maintenant, je vais dire la phrase des youtubeurs qu'ils aiment dire tout le temps. Maintenant, on est potes, je sens cette relation, c'est vous et moi, y'a. Faites pas attention à ce que j'ai mis, hein. Je suis en pyjama, mon pyjama d'hiver. Je voulais me mettre un peu dans l'ambiance de chill, dans l'ambiance de discussion entre vous et moi. Yes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.